un peu de soutien à l'idiot de ça. Puisque tu y es bien, tu es bien, solo. Attention, ça qui joueur. Vous aurez donné la paix à l'émission, je vais jouer à la joue. Il y a un moment où Ali Djogo n'a pas battu. Djogo. Vous avez un jour où je vais interférer à Zuba, je vais te dada pour que vous ayez un joueur. De tous les lèvres, Banda, Wati, ce que vous avez. Donc, il y a un moto à danser. Donc, il y a un peu de fou tout à l'heure. Salut, et là, vous avez la jeunesse. Vous avez une fouille, il y a bien une éducation qui toque. Maman a une soirée na qui nieta. C'est le moment à fondre la colère histoire Ali Djogo. Mutamaye le belé. Bota ka jeune wana. Bota ev maka. Ala jeune moko zana baide bien. Oye azo bi misa baide toujours bien. Bo soutenir Ali Djogo. Aza mutu moko. A 5 ma wa ko soutenir ye. Ali Djogo bana Congo balela yo. Ale ayi bana Congo balela yo. Après 15 ans d'exercice dans le monde de la télévision, comme a dit Papi Katassi, nous avons commencé en 2002 dans la chaîne de CBS, Congo Education Broadcasting System. Nous sommes passés de 2002 à 2005, 3 ans, allais-je dire. Nous sommes allés du côté de Tropicana TV, directement de Tropicana pour aller du côté de Digital Congo, où nous sommes allés à côté de Kitenge Kikumba, Frédéric, pour faire 7 ans. Et nous avons quand même laissé les traces. Tout le monde a vu, tout le monde a remarqué, bien qu'il y ait des difficultés qui ne nous ont pas permis de pouvoir continuer ensemble. Et le chemin a été encore long. Nous avons fait un comeback du côté de la radio-télévision satellitaire numéro 1, RTVS 1. Là, c'était en 2013. Et juste 2 ans après, nous avons vu le chemin de la chaîne Antenne A, où nous avons été visibles pendant les compétitions nationales de championnat de la Ligue nationale de football. Voilà, toujours avec l'objectif de laisser une histoire dans le monde de la presse. Aujourd'hui, moi personnellement, je me suis dit pourquoi les Blancs arrivent à réaliser les documentaires pendant que j'avais l'habitude de garder toujours les images d'archives lorsque je passais sur toutes les chaînes où je fais mon passage. Pourquoi ne pas récolter les informations et finalement rassembler toutes ces informations pour aujourd'hui faire un documentaire complet? L'idée m'est venue à travers le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, les rêves deviennent une réalité.
Matembe. Et j'ai pensé également à cette occasion qui fait le larron de présenter le 10e anniversaire du général Gabriel Amissi Kumba, dit Amofor, à la tête de l'ASV Club. C'était après Santos, la série a continué toujours avec la confiance notamment du côté de notre fédération pour voir les entraîneurs expatriés. Et finalement, Florent Ibéguet en 2015 pour nous donner d'abord la troisième place comme l'a fait Orfo Maduna Iolo. Et une année après, l'entraîneur Florent Ibéguet nous a donné le titre du CHAN, la 4e édition. Et voilà aujourd'hui, avec le même coach Florent Ibéguet, nous croyons que la République démocratique du Congo participera pour sa deuxième fois à la phase finale de la Coupe du monde de football. Voilà un peu. Allons en profiter pour mettre les documentaires de leur part de la RDC. Je crois que ce que j'ai diffusé, c'est juste l'extrait, les extraits. Il y a une surprise dans ces documentaires de Darin Klemote Mapembe, Ini et Tembata. Nous avions réservé les images de la rencontre de la finale au retour du côté du Kenya, à Nairobi, où tout le monde était présent. Vous aurez le temps de les voir. Il y a même le papa Mukamba, beaucoup de Daring Men entendent toujours parler de papa Mukamba, mais papa Mukamba est là. Vous allez voir même notre confrère Willy Mboku Tchaba, c'est lui qui a été le commentateur de cette rencontre. C'est grâce à ses archives que vous allez retrouver. Je sais que toute l'équipe était là. Et puis leur retour à bord de l'avion que le président Mobutu avait affrété pour la fierté du Darin Klemote Mapembe du côté de l'Afrique. Mais je remercie d'abord pour ce travail. Je voulais juste avoir l'objectif principal en faisant cette demande, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à. Que vous avez de faire. Deuxièmement,
Nous avons vu les documentaires de l'Espagne Club, de l'Espagne Club, de l'Espagne mais parlons de Kinshasa. Kinshasa n'est pas seulement le club, de l'Espagne Club. Si nous regardons les visées, il y a quand même l'Espagne Club qui a fait aussi un peu au participant, un peu au catégorique. Vous m'avez posé les questions d'abord par rapport aux équipes de l'intérieur. Vous savez, pour avoir les archives, c'est un peu difficile. Mais nous n'allons pas seulement nous limiter dans le football. Nous avons déjà beaucoup d'éléments. Là, je voudrais vous les dire. Il y a un documentaire sur le Comité olympique congolais qui est déjà en cours. Il y a un documentaire sur la Ligue nationale de football depuis la mort du président Poutou jusqu'à ce que le président Yav qui avait quitté la salle et c'était sa démission. Nous avons vu la démission de notre président dans la salle et le président actuel qui était le trésorier. Aujourd'hui, il a pris la tête de la Linafoot. Nous avons pensé au documentaire uniquement des désordres dans les stades, qui est aujourd'hui les moteurs et ce qui pénalise les équipes comme Darin Club Motema Pembe la saison dernière, n'eût été les désordres des supporters. Aujourd'hui, les Darin Club Motema Pembe devraient jouer l'Afrique. Avec l'engouement des joueurs, on les dit sincèrement, nous pensons à tout ça. Et voilà, ça sera peut-être l'occasion de demander à tous les journalistes qui gardent des archives de pouvoir nous contacter afin de pouvoir réaliser tout ça. Par la grâce de Dieu, nous allons tout faire pour avoir à travers l'Internet beaucoup, beaucoup d'archives. Alors, question Mazembe, je vous assure déjà que le travail de Mazembe est fin prêt. Mais aujourd'hui, vu la situation que nous connaissons tous, la situation politique, on ne peut pas parler de Mazembe sans parler de sa tête. Ça sera illogique. Voilà pourquoi on a un peu arrêté sur la publication de ces grands clubs qui est resté sur le toit africain. Et voilà même les titres que je vais vous donner pour Mazembe. TP Mazembe sur le toit africain. Le toit africain. On a pensé au club Le Choix qui a honoré la République démocratique du Congo, jouait même la Coupe du Monde des clubs, arrivé jusqu'en finale de la Coupe du Monde, et pourquoi pas son trésor caché, Trésor Poutou, qui a déjà un documentaire qui sera bientôt démontré. Et voilà, peut-être ça sera l'occasion de lancer un message à tous les dirigeants sportifs, en commençant par le numéro 1 de la Fédération de football congolais, Monsieur Constant Omar, et que j'en profite pour féliciter sa place du côté du Conseil de la Fédération internationale de football association, qui peuvent également penser à l'archive, à l'archivage dans la Fédération congolaise de football. Nous sommes là, nous attendons impatiemment la réponse, bien que cette conférence de presse nous a permis quand même de dire ce que nous pensons, de pouvoir donner ce que nous avons comme capacité en tant que journaliste congolais. Pourquoi pas demain qu'on parle de nous, la RDC, pour la réalisation des documentaires du football congolais. Et pourquoi pas demain jouer la Coupe du Monde et voir la RDC au sommet du football mondial. J'ai eu beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est vu la valeur que nous, journalistes congolais, nous sommes pris en compte par les dirigeants. Un dirigeant, quand il a besoin de toi, il t'appelle n'importe quand, n'importe où vous soyez, manu militare, vous venez le servir. Un journaliste congolais devenu entre guillemets mendiant.
selon les dirigeants. Un journaliste congolais n'a pas beaucoup de valeur, n'a plus de valeur devant un dirigeant sportif. Il détient ton numéro sur son téléphone. Vous pouvez appeler autant de fois, il ne te répond pas. Même si tu fais un grand travail, reconnu, apprécié, mais lorsque, et surtout les hommes qui ont cette difficulté, et à travers nos consoeurs, ils ont beaucoup d'avantages, on les dit. Bref, nous nous battons parce que la vie c'est un combat. Vous pouvez avoir des problèmes dans la famille. Lorsque vous vous approchez devant celui que vous aidez chaque fois en cas de problème, la solution sera un peu difficile. Deuxième, c'est sur le plan du matériel. Il n'y a pas assez de matériel. On comprend la conjoncture du pays. Là, on ne sait pas. Grâce à Dieu, j'ai fait la formation de Géry, journaliste et reporter d'images, où je suis seul le caméraman, journaliste et monteur. Toutes les images que vous voyez, la majorité, c'est personnellement qui les a filmées. Et c'est moi qui ai mis les sons et c'est moi qui ai monté. Commenté même. Il y a des difficultés que l'homme peut s'en passer dans la vie. Aujourd'hui, c'est l'argent qui compte. Heureusement, vous êtes venus. Vous avez accepté. Mais si c'était un homme politique qui devrait faire jouer le match de football, des enfants, par exemple, de la rue, que les images doivent rester pour faire leur propagande, vous devriez, vous auriez voir autant de journalistes sportifs. Je viens de parler de Florent Ibenge. C'est un documentaire qui pourra aider ces journalistes de pouvoir enrichir leurs émissions. Bibi Mutombo est parti. Bibi Mutombo qui est mort. Qui aura le temps, un enfant qui est né maintenant? Comment saura-t-il que la RDC avait un entraîneur qui s'appelait Bibi Mutombo? Voilà un peu en tout ce que j'allais vous dire. Question de protéger. Déjà, quand on était du côté de l'antenne A, les images sont sorties. Du côté de Bas-Congo, il y a un monsieur qui m'avait appelé. Ali, nous sommes très contents parce que nous avons vu les documentaires de DSMP. Alors que ce n'était que le début, il y avait déjà des pirates. Mais là, c'était l'essai, pas de problème. La stratégie est là. D'abord, pour protéger, nous sommes déjà en contact parce que aujourd'hui, c'est juste la présentation devant la presse, c'est les extraits qui passent pour que l'intégralité de nos documentaires puisse passer. Sur YouTube, nous avons des chaînes déjà, nous avons créé. Nous savons comment est-ce que nous allons gagner. Mais dans cette démarche, étant informaticien, on sait comment bloquer le VTS. La vidéo pour que cette VTS ne soit plus polycopiée avec la nouvelle stratégie. Il suffit de bloquer les données et quel que soit le système pour chercher à récupérer, ça sera difficile de le faire. Mais la meilleure des choses, c'est d'abord de protéger du côté de la Sonica et nous arrivons petit à petit, vu les difficultés financières que nous avons, j'espère qu'avec la grâce divine, nous irons jusqu'à la fin. Nous irons jusqu'à la fin. Et comment gagner l'argent, c'est ça le souci. Parce que nous n'allons pas faire plutôt un service
simple ou soit faire plaisir à tout le monde, nous pensons d'abord à un cadeau aux supporters des différents clubs. Par exemple, les Darin Club Motema Pembe, c'est une équipe qui date de 1936, avec club de 35. Nous, on n'était pas encore là, mais il y avait un problème des archives. Nous, nous allons finir les documentaires. Nous allons d'abord négocier avec les différents comités généraux de supporters qui vont en profiter, par exemple, vont également nous permettre pour la vente des DVD. Ils auront leur pourcentage et nous, nous aurons notre pourcentage. Et bien avant, nous allons voir la Soneca ou soit la Sokoda pour la protection. C'est encore un travail, mais déjà faire un projet comme ça, ça devient visible, ça va nous permettre peut-être demain de pouvoir gagner notre vie. Et pour que la suite, la génération puisse garder l'histoire de l'équipe, par exemple, Darin Club Motema Pembe ou l'honorable Obemina, la troisième personnalité de ce pays, a arrêté l'hémorragie des changements des dirigeants au sein de Darin Club Motema Pembe, voire même la division de Darin Club Motema Pembe à une équipe qui s'appelle Renaissance. Merci. Qui dit instabilité des dirigeants à la tête d'un club de football de la RDC parle autrement du Darin Club Motema Pembe de la capitale. Voilà l'identité qu'on pourra attribuer à cette formation de la capitale, et cela à la veille d'une grande rencontre, soit de la Ligue nationale de football ou encore des coupes interclubs de la CAF. Nous sommes dans une grande équipe comme le rôle de Ring. Et comme on a un niveau, ils ont choqué, on a un vrai club. Ce moment, on va filmer, c'est que vous organisez une équipe. Donc on va dire que l'équipe est bien, l'équipe sera bien photo gagnée. L'on pourra compter autant des présidents à la tête des coordinations des Immaculés, avec comme point de repère, feu Tatou Hilaire Lumbaï, la marque indélébile de Tupamaros. Élu un certain 28 mai 2002, l'homme au ballon magique avait convaincu les Immaculés et surtout l'ordre des Biquinois. Tuiler restera pendant 4 ans à la tête du Darin Club Motema Pembe. Sous des Roger Lou, c'est Darin qui essaie un peu de dominer. Ricky, il trouve Manitou. Oh là là. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Et c'est comme ça que ça s'apprend dans les écoles de foot à Lille. Un but signé Koné. Junior Koné. Banga Deringa. Imana Imana Matiti Mabeo Banga Imana. Imana Imana Matiti Mabeo Banga Imana. Bref, Darin Club Motema Pembe, uni, est imbattable. Telle est la devise fétiche de Tupamaros. Les amis de Dering, avec leur comité qui change tous les jours, je continue à dire, si Mazembe et V-Club vont de l'avant, c'est parce qu'il y a une stabilité dans les dirigeants. Que Dering réussisse à stabiliser son staff dirigeant, je crois qu'ils iront loin. Et donc aujourd'hui,
malgré les combats, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés, nous avons atteint un objectif, c'est de recréer la confiance au sein de l'équipe. Il a quitté la terre des hommes depuis le 8 août 2008. Bibey Mutombo Kalambay, ce nom reste gravé dans les annales du football congolais. Mais comment était-il arrivé dans la SV Club? Bibe ingam na nanaki ya nakati ya Vec Club. Bayaki tournoi mongobo ina azalaki second ya équipe nationale junior. To découvrir ye. Quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec le journaliste Ali Kumba Kisaka, il me disait, président, avec le club, avec l'État, vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où? Et il voit quoi? 27 mars 2007, 27 mars 2017, 10 ans jour pour jour, que le général Gabriel Amissi-Kumba Ditangofor a pris le bâton des commandements dans l'ASV Club de Kinshasa. C'était un certain mardi, sous l'impulsion d'un groupe de V-Clubiens qui a influencé tous les conseils suprêmes, chapeautés par l'indéboulonnable Pierre Kazadi Tshishishi, affectueusement appelé Papa Kazadi. Finalement, le conseil suprême a jeté son dévolu sur le général Gabriel Amissi, très sensible aux couleurs vert et noir. Général Amissi était un supporter et fanatique de ce club que nous ignorions. Il y a eu des gens qui étaient pour, il y a eu d'autres qui étaient contre. Nous nous sommes imposés pour lui donner sa chance et pour conduire cette équipe. Des CMP soutient Ali Diogo Dissa. Puisque tu y es bien, tu es bien, solo. Attention, c'est un joueur. Vous aurez des rappels avec Missoba Joura, comme Missoba Joura. Il y a mon nom, Tomé Ali Joura Pambate. Djogo. Bon, c'est là un jour pour mon épée, tant que ça l'interfile, Azu Bala, Zubi Tabadada, pour que vous n'ayez pas de joueur. De tout le lait, Banda, Wati, ce que vous avez. Donc, il y a un mot à danser. Donc, il y a des fois que tout est là. Salut, et le gros, ils ont la jeunesse. Ils ont une fouille, il y a bien l'éducation qui toque. Maman a qu'une soumise qui nieta. C'est le moment où il a fondé la couleur histoire à l'idjogo. Mutamaye le bélé. Botaka jeune wana. Botchaev maka.
Alors je le mois dans la idée bien. Il y a Zobi mais ça va aider toujours à bien pour soutenir Ali Djogo. Azam Mutumbo à 5 mois pour soutenir. Ali Djogo, bana Congo balira yo. Aye aye, bana Congo balira yo. Solo.